Allô à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands Chrome Canyon. Alors je tourne vachement en avance parce que j'avais envie de jouer à Borderlands et j'ai dit du coup. Je vais tourner des épisodes. Ça fera avancer notre aventure. Même mort. Tiens, viens. Oh l'enculé, il s'est suicidé sur mon cul. Épisode qui commence bien, ma foi. Heureusement, on est... On ressuscite ici, heureusement. Bon. C'est pas grave, les amis, on commence cet épisode avec une mort cérébrale. Très bien! Ne jamais laisser un sadique, qui plus est consanguin, se frotter à vous, les amis. On dirait qu'on a un héros ici. Non, une héroïne, s'il vous plaît. On respecte la sirène. Putain, mais ça va pas devenir une habitude de merde! Oh! À un moment donné, c'est bon, les consanguins, là! Ça va finir par me prendre la tête s'ils en prennent l'habitude, là, de s'exploser sur ma gueule. Tu vas crever! Pas d'humeur! Plus d'humeur! Allez! Viens voir! C'est l'heure de mourir! Mais pareil, quand tu veux y tirer dessus, il tombe par terre. Non, il n'y a pas de problème, je vais... Remédier à ça, s'il n'y a que toi qui avais le droit de tirer sur ton pote. Les amis, une sirène aime être à genoux. C'est fini, ouais, de faire exploser les trucs! Voilà, on va rechercher le kit de réparation de Clapou. Qui est... Par là. On a une boîte, déjà, pour nous. C'est par là? C'est par là, les amis.
Ah oui, mais il est en hauteur. C'est vrai. Oh, oh, ça va pas être pratique. Merci pour la santé. Non, il est, ben, il est en hauteur, c'est ça? Ah, il est là-haut. Oh, putain. Oh, ça va être d'un pratique, ça, tiens. Ah, attendez. Il y a quelqu'un qui me propose de me refaire la gueule. Sûrement un visagiste. Sûrement un aveugle, parce que Lily est par... Lily était parfaite, n'est-ce pas? Purée, par où c'est? On va galérer là, les amis. On va galérer. Ok. On va passer par... Par l'autre côté, en fait. Vous allez voir. C'est par en haut qu'il faut passer pour redescendre. C'est d'un pratique. C'est par là qu'il faut passer. Attendez, on va fouiller la poubelle. Et c'est reparti. Hop, 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 hop. Non! Mais arrête de prendre l'habitude de te mettre à genoux, putain de toi! Font chier, franchement, ces consanguins sanguins explosifs. Là. Bon, très bien. C'est là-bas. Une minute. En plus, on a de la viande. Voilà ce que je redoutais. Voilà ce que je redoutais en faisant un gros saut. On n'est pas sorti de la Vierge, les amis, hein. Mais non, j'ai pas fait un lapsus, hein. Je le dis comme ça. Bon, t'as fini de danser, toi? Mesdames et messieurs, je vous présente un tueur de chez Rachmaninoff. Les tueurs danseurs. Ouh! Donc j'enregistre plusieurs épisodes à la suite. On est avant... Bon, on est avant le jour blanc, hein, mine de rien. Putain, par où je passe? Allez, mais mets-toi sur le rocher. Je veux pas que tu te mettes ailleurs. Mais saute, connasse! Toi aussi, que tu me fais dire là! C'est trop te demander de sauter! T'as été où là? Non mais tu remontes, s'il te plaît. Tu remontes, s'il te plaît! Pour l'instant, je reste courtois, ça risque de ne pas durer. Alors, tu ferais bien d'en profiter de ma courtoisie. Momentanée, je précise. Parce que là, tu commences à me casser les couilles. Tac, de la viande. Toujours bon à prendre. Bon, alors attendez, les amis. Je suis complètement perdu, là, maintenant. Elle est tombée tout en bas. Je suis complètement perdu. Mais bien. On est à combien, là? 10 minutes.
On va faire juste un petit... Je me souviens pas que c'était autant galère. Tu peux pas rester comme ça? Attends. Ah! Ah! Alors! Là, tu peux aller sur ce toit-là maintenant. Et... Je vais péter un câble, les amis. Je vais péter un câble. Je vais péter un boulard. Très bien, on va rester là. Monte sur les barils. Monte sur les barils. Et saute. Bon les amis, on va se laisser là. Moi, je vais essayer de la voir en off. Parce que là, ça commence à me casser les couilles. Je vais essayer de la voir en off. Et je vous reprendrai pour l'épisode prochain. Quand j'aurai eu ce putain de kit de réparation de mes couilles pour ce claptrap de merde. Voilà. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye. Et claptrap. Tiens, t'as une fuite là? T'en as une là de fuite? Connard! Bye bye les amis.